Vous ne trouvez pas ça étrange ? D'un côté, on a de plus en plus de sécheresses, mais de l'autre, on a aussi plus d'inondations. En réalité, ces deux phénomènes sont liés au dérèglement climatique. Les experts du climat remarquent que dans certains secteurs, les pluies sont moins régulières, mais plus intenses tout au long de l'année. Ce qui signifie plus d'inondations violentes, mais aussi des périodes de sécheresse plus longues. Le dérèglement climatique intensifie donc les deux phénomènes, et notamment le risque d'inondation. Car quand il pleut intensément sur un sol sec depuis longtemps, l'eau ruisselle. Dans les villes, où les sols sont imperméables, c'est encore pire. Dans le futur, nous risquons d'être de plus en plus confrontés aux inondations. L'une des solutions serait de créer des villes éponges pour mieux retenir l'eau l'hiver et créer des zones de fraîcheur l'été. Face au changement climatique, repensons nos espaces et faisons de l'eau notre allié.